Marine l'orphelin, l'ex-Miss France 2013 et son fiancé, Christophe, étaient sur M6 ce mardi 16 février dans l'émission Recherche appartement ou maison pour tenter de trouver l'appartement de leur rêve avec l'aide de Stéphane Plaza et de sa complice Sandra Viricel. À 27 ans, la jolie brune a décidé de se lancer dans son premier achat immobilier. Une acquisition qu'elle a choisi d'effectuer à Lyon. Le critère le plus important pour Marine l'orphelin était l'emplacement. Cette dernière souhaitait acheter au cœur des 1er, 3e, 4e, 5e ou 6e arrondissements de la ville Lumière. Elle souhaitait un logement lumineux de 35 mètres carrés minimum avec une ou deux chambres. Un budget de 350 000 euros pour cette première acquisition, cette dernière disposait d'un budget de 350 000 euros hors frais de notaire. Évoquer les questions d'argent n'est pas un problème pour la Miss comme elle l'a indiqué dans un interview à Télé 2 semaines. Je n'ai aucun problème avec ça, au contraire, j'avais plutôt envie de dire que quand on est jeune et qu'on entre dans la vie active, et qu'on commence à gagner de l'argent, si est-il là qu'il faut commencer à investir. Et qu'il ne faut pas attendre d'avoir 40 ou 50 ans pour penser à ça. A-t-elle expliqué avant de conclure, donc je n'étais pas du tout gêné de parler budget. L'agent immobilier le plus célèbre du PAF a présenté 4 biens à Marine l'orphelin et son fiancé. Le couple a choisi un appartement très mansardé dans le 6e arrondissement de Lyon. Un bien qu'elle devrait mettre d'abord en location le temps de finir son internat de médecine à Paris.